What's up YouTube, c'est Pred Queen et aujourd'hui on se retrouve sur Death Gun pour l'épisode 6, toujours en mode survie, et oui. Donc exactement là où on s'est arrêté à la fin de l'épisode 10, c'est-à-dire au petit camp de merde que je venais de libérer. Donc là je descends pour aller vers la quête principale qui se trouve là-bas. Oh, bah là où il y a la biche qui va, parce qu'apparemment la quête principale attire tout le monde, même les biches. Et du coup, bah je me laisse rouler parce que voilà, l'essence ça coûte cher. Et je voulais de la ferraille. Et regardez ce que je vois là. Un beau capot tout propre. Qui dit beau capot... capot, oui, capot. Tout propre dit ferraille. Voilà. Parfait. Alors. Y a rien. Là, y a quoi? Y a de quoi fabriquer. Est-ce que je peux... Non. Donc, bah non. Ça m'arrange pas, ça sert à rien. Oh, je pourrais faire un beau saut ici. Ou alors je pourrais finir dans l'eau. Les deux. Moi, je pense que les deux sont jouables. Encore une boîte de conserve. Hop, je prends. De toute façon, c'est avec ça qu'il fait des... qu'il peut fabriquer des fumigènes, si je dis pas de conneries. Ou au moins des petites bombes de con là. Donc du coup, je prends. Je prends tout. Alors, on n'est plus très loin, comme vous pouvez le voir. Je sais même pas c'est quel scénario. Ça doit être un truc de Tuck. De toute façon, c'est toujours Tuck. En général, les trucs de con, c'est Tuck. Alors, c'est scénario chasseur de primes. Oula, 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 ça a rayé la moto, là. Comme par hasard, ça l'a abîmé. Bon, la plaque, est-ce que je peux la lire? Yes. C'est bon à savoir. Je passe devant, donc autant la lire. Et là, ding, ding, ding. Voilà, 83%. Putain, je suis dégoûté. Bon, j'avais dit la dernière fois que si je me trouvais une voiture de flic, je pillerais le coffre. Donc, chose promise, chose due, je pille le coffre. Voilà, ça fait toujours 5 munitions pour le fusil. En espérant qu'on trouve d'autres munitions. Parce que j'ai pas envie de puiser dans mes réserves. Alors, coffre abîmé. Coffre pas abîmé là. Ok, bandage, je peux pas. Hop, alors. Que dalle ici. La ville est pas très loin. Je veux pas dire que je l'aperçois de là, mais j'ai envie de dire presque oui. J'espère vraiment qu'il n'y a pas trop d'ennemis, pour une fois. Alors, on va savoir ça tout de suite, de toute façon. Ouais, c'est bon. J'étais déjà venu ici. Oui, oui. Ah oui, vu le nombre de Maccabées, c'est sûr, je suis venu ici. Je suis déjà venu. Alors, j'ai une zone à fouiller en particulier ou... Je repasserai. Je dois brûler tous ces nids. Quoi ? Ben j'ai déjà brûlé les nids. Qu'est-ce que tu racontes ? Il reste pas des nids. Alors, voilà, dans la zone de recherche. Alors, oh, la cheminée est intacte. Bon, la zone est réduite, donc à mon avis... Ah bah tiens, c'est là, je vois, à travers les murs. Ok. Une boîte à musique, non? C'est quoi? Une boîte? On avance. Tucker, je l'ai repéré. Il avait l'air d'attendre quelqu'un. Dick, le laisse pas. Alors, oui, voilà, merci de me repréciser comment ça marche parce que j'avais oublié. Alors, à moto, la précision de vos tirs dépend des mouvements et de la distance vous séparant de la cible. La taille du réticule de votre arme réticule. Oui, bah ça je le savais, moi je veux juste le bouton. Ok, ah, c'est R1. Merde, Tucker, vivant ? D'autres trucs, on dit pas. Je veux qu'ils nous disent où il a planqué tout ça. Ok, bon, mais vois ce que je peux faire. Oh, Roach, où tu vas comme ça, hein ? Je colle toujours au train, salopard. Ok, très bien. Il a une moto en plomb. Je veux juste causer. Ah ouais,
sac te tire d'envoi. Arrête, cousin. Tu crois quoi, bordel? Si vous les butez, tu... Waouh! Il y a une autre moto. Prête à mort. Va chier. Je sais ce que t'as fait à Léon et Alvarez. Waouh, 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 je me fais de canarder dans le dos. Chien, blaireau. J'ai l'impression qu'il était suivi, ce monsieur, par un loup. Bonjour, bonjour. Comment ça va, mon gars? Tu vois, je t'avais dit que je te buterais pas. Non. J'ai rien fait de mal. Ah ouais? C'est pas ce que dit Tucker. Quand Léon et Alvarez se sont barrés avec la pharmacie du camp, ils ont oublié de te mettre dans le coup, c'est ça? Non, Dick, non. Non, non, dis-moi ce qui t'est passé par la tête. Aide-moi à piger le truc. Toi, t'as pris les restes dès que la vieille a eu le dos tourné. Dick, j'ai rien sur moi, ok? Tu peux vérifier. Je crois pas, non. C'est pas mon boulot. Je laisse ça à Alkaï. Ok, le mec, il avait pas les jambes attachées, hein, donc s'il avait voulu, il aurait pu mettre un coup de pied dans la gueule. Ce que j'aurais sûrement fait. Alors... Ouais. Le tien. Dick, bon, ça c'est fait. Dis à Alkaï d'envoyer. Tu sais ce que t'avais fait à Léon, ok, Dick? Ça devrait le faire. Pitié, Saint-John, allez! Il est vivant. Est-ce qu'il avait les médocs? Dick, non! Oh! Je t'en prie, pitié! On a mais roulé ensemble tous les deux, on était potes! Tu veux qu'il le reste? Disons qu'Alkaï ferait bien de manier son cul, terminé. Pitié, pitié! Je veux pas mourir! Je me laisse pas là! Allez, s'il te plaît, détache-moi! Non! Saint-John, fais pas le con! Arrête de gueuler, il y a une grotte à côté, si t'as pas remarqué. Hey, Bosman, tu d'ailleurs, tiens, attends. Hop. Ouais, Dick. Voilà. Question con, tu sais où je pourrais trouver une géode? De quoi faire? C'est pour la gamine que j'ai amenée. J'essaie de lui remonter le moral. Elle a dit qu'elle en avait une avant. J'en ai aucune idée. Peut-être à la boutique du cratère Belknap. Sinon, essaie Marion Fox. Ouais, ok, merci. Alors... Nouvelle quête. Hop. Parfait. Du coup. Attends. Vu qu'il y a une quête qui s'est lancée, je vais faire une petite sauvegarde rapide. Attends. J'aimerais bien que là. Bon. Si ça veut un jour. Il y a une deuxième quête qui s'est lancée? Non, hein, c'est la même. Vas-y, monte sur la moto. Redescends de la moto. Et là, normalement, il y a le triangle. Voilà. Sauvegarde rapide. Ok. Bon, je vais voir vite fait dans la grotte. À mon avis, il doit y avoir du monde là-dedans. Alors, c'est encore une grotte du... Ouais. Eh ben, il y a personne. La grotte est vide. Bon. Bon, tant mieux. Alors. La quête. C'est par là. Alors, faut que j'évite de rouler sur notre ami. Et c'est parti. Mais bon, le laisser comme ça... bon, là, d'un sens, tu vois, ça m'arrange... que j'ai pas à ramener mes cibles à chaque fois. D'un autre côté, je me dis que c'est quand même mal fait. Parce que le mec, t'es censé le ramener vivant. Et là, tu le laisses sur place en attendant que l'autre y vienne. Sauf que c'est un monde de mutants. Les mutants vont venir, ils vont le bouffer. Et toi, tu... Bah, non. Voilà. Concrètement, non. Wouh ! Ah, voiture de flic. Parfait. On va récupérer des munes. C'est tellement calme le jour dans Death God comparé à la nuit, c'est ouf. Mais ça fait trop du bien. Alors, voilà, ça commence à remonter les munes tranquillement. C'est parfait. Attention au poteau. Voilà. Donc il faut trouver une géode. Ouais, capot cassé, bon... Capot cassé aussi. L'essence, j'arrive à la moitié de mon plein là. Oula, grosse fumée noire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Chasseur de camp ennemi. Bon, bah voilà. Un camp de squatteurs.
Ça serait pas les fils de pute qui tentent des embuscades dans le coin, hein? Est-ce que la moto elle peut ne pas tomber? Est-ce qu'elle peut... Elle bouge plus, c'est bon. Alors... Faut que je nettoie le corps. C'est une bande de tueurs et de voleurs. Je peux pas les laisser s'en tirer. Et merde. Mais l'autre arme... Je sais même pas où ils sont. Ah si, maintenant j'ai vu. Je vise pas bien. Ouais, je l'ai eu. Au bout de 15 tirs. Ouais. Il y a des zombies qui arrivent. C'est un kiff, pas vrai. Vous êtes combien ici? On s'en fout, vous êtes tous morts. 8 sur 14, ça va, j'ai presque tué tout le monde. Maintenant, ça fait 9. Les zombies sont passés à gauche, apparemment. Oh. Wow. Là, ça va passer à 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça vient de passer à 11, 12. Ils sont en train de niquer tout le monde. Il en reste qu'un. Oh, je crois que c'est bon. Les routes seront un peu plus sûres maintenant. Pas beaucoup, mais un peu. Putain. Où vous avez planqué votre bunker? Ils ont fait le ménage. Vous en aviez forcément un. J'en profite pour remplir, moi. Pour réparer, pour enregistrer si jamais les zombies me butent. Et maintenant faut que je trouve le bunker. Mais je suis content que les zombies m'aident pour une fois, ils y servent à quelque chose. Du coup, je crois qu'ils m'ont vu. Concrètement, c'est vrai. Ah ! Y'a un piège ! Allez ! Enlève le piège ! Mais non, je suis mort comme un kéké, juste à cause du piège à la con que j'avais pas vu, parce que j'avais gardé la caméra dans mon dos et pas devant mon... Bon, c'est pas grave, techniquement ils sont toujours là. Attends, toi, ce piège de merde. Voilà. Ah, tiens, c'est pas con. Ils sont plus là? Ça devrait le faire. Tiens, bah ça sera sur le bonhomme. Hop. Bah ils sont où les zombies? Ils ont disparu? Bon. Y'a rien de tel que la ferraille. Ouais. Putain, ouais, ils sont tous morts. Enfin, ils sont tous partis. Bah écoute, je vais pas me plaindre, hein. Mais je trouve ça bizarre quand même. Voilà. Je peux encore me soigner? Non. Bah écoute. Je vais pas me plaindre. Donc voilà. Cinq ferrailles.
Trouver le bunker. La zone, c'est quoi? Fais voir la zone. Ok, la zone, c'est pas là. Des mines. Parfait. Alors. Oh, de la ferraille. Oui. Je suis un peu dégoûté quand même. Parce que les zombies, j'étais bien parti pour les buter. Donc j'aurais pu gagner plein d'oreilles de grouilleurs et etc. Et en fait, non. Parce que ils m'ont buté. Parce que je me suis pris un piège. Donc voilà. Concrètement, c'est l'histoire de ma vie. Mais je comprends pas pourquoi ils sont plus là. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont, se sont TP ailleurs? J'ai pas compris. Alors, concrètement. Le bunker est par là. Oula. Eh, ces bâtards, ils pouvaient faire des pieds. Enfin, ils pouvaient tendre des embuscages en hauteur. Embuscage. Embuscade. En hauteur. Corde orange peut être détruite par n'importe quel explosif. Alors. D'accord. Quand tu as des explosifs. Quand t'en as pas. Eh ben, tu fais le tour. Putain. Pas grave. En espérant que je puisse, parce que ça tombe, je peux pas faire le tour. On va savoir ça tout de suite, de toute façon. Moi, ouais, je pense qu'il y a moyen. Il y a un macabre ici? Ouais. Chiffon quantité. Oups. Bah, je crois que j'ai retrouvé les zombies. Je sais pas où ils sont, mais ils sont pas loin. Allez, on va se dépêcher avant que les zombies arrivent. Parce qu'en fait, il doit y avoir un nid, enfin un nid. Il doit y avoir tout un regroupement de zombies en bas de la falaise. Là, c'est vachement dangereux comme zone. Ils auraient pu se foutre ailleurs. Alors, dis-moi que c'est une grenade. Quand est... D'accord. Ok. Ouais. Plan de fabrication, oui. Mais quoi? Ouh! Oui! Quelque chose de bien. Bon. Bah ça a sauvegardé, donc j'imagine que je peux me casser. Monter à l'échelle. Yes! Deacon St. John, ici à Dattaker. Alkaï m'a dit de te dire que le camp est reconnaissant pour ce que tu fais. On a besoin de toute l'aide possible. C'est tout? Tu m'appelles pour ça? Tu me spammes pour ça? C'est une honte! Sache-le. Alors. Bon. Maintenant, il va arrêter. Elle va pas jacter. Je peux sortir. Ils sont en bas ou quoi? Il y a personne. Ah oui, il y a des gens pendus. Ça oui. Donc s'il y a personne là, c'est qu'ils sont là. Même pas. Bon, je sais pas où ils sont, mais j'ai pas trop envie de le savoir. Donc je vais juste me contenter de me casser. Ah merde, je croyais que le capot il était bien rebaissé et tout, mais non, c'est fait désosser. Ok. Hop, une petite sauvegarde et on est parti. Voilà, ça fait un camp de plus de nettoyer, ça fait toujours ça.
Et moi, ça me fait un plan de fabrication supplémentaire. Oh! Voiture de flic. Mes munitions sont pas à max. Non, pas encore. Là, normalement, elles vont l'être. Plus le pistolet et 3 pour le fusil. Bah, le fusil il est au max. Le pistolet, je pense pas. En fait, je sais pas, je peux pas voir là tant que je suis à moto. Eh, la biche elle est toujours là. Oula, Strumble. Voilà la boutique. Il doit bien y avoir une géode là-dedans. D'accord. Ça me plaît pas trop ici. Hein. Ça sent les Mad Max, les mecs chauves là. Alors, j'ai trouvé le moyen de rentrer, mais je vais faire la petite sauvegarde rapide avant, voilà. Ça, si je crève, je recommence, là. Bon, c'est vide ici, y a rien. Il y a une batte. Tiens, la batte, fais voir. Qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer le truc? Alors, les points, d'accord, et il faut des lames de scie. Bah oui, forcément. Non, non, tu reprends ça. Tu gardes pas la batte. Eh bah, voilà la géode. Oh, puis la bouteille. Alors, le lieu indiqué, c'est le camp. Bon, bah, comme ça. Allez. Bon, ça va, c'était rapide. Voilà. Une ferraille, parce que du coup maintenant je suis à fond. Ça fait du bien d'ailleurs d'être à fond au niveau ferraille, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Bon, là je viens d'en ramasser un, donc je suis bien. Alors. Allez, vroom vroom, on s'arrache. Attends. Il apparaît pas le truc de sauvegarde? Bon bah tant pis. Traçons. Hey, y a des loups! Putain de loups qui recommencent à me casser les couilles. Je me casse. Oula, j'entends des zombies. Ah mais y en a 3 là. Même 4. Maintenant y en a de nouveau 3. Ah, c'est toujours activé le truc là, hein. Du coup, ça fait toujours du bruit. Alors, il fallait que je les désactive, tiens. Merde, il y a des zombies, ils sont nombreux. Je peux sauvegarder ou pas? Non? Comment ça, non? Et là, ah si, je peux. Faut que j'éteigne ça. Ils ont réélu domicile? Bah. Attends, j'ai nettoyé le. C'est une blague ou quoi? J'ai nettoyé le camp et ils sont revenus? C'est vraiment des enculés! Voilà, je croyais qu'ils étaient avec moi au fait en début, mais après je me suis dit bah non. Raté. Putain, comment j'ai fait pour rater ça? Merde alors, hein. Ah, yes, une bombe. Tuyau. Ça faisait longtemps. Dégage, c'est mon petit point.
J'en ai encore deux à éteindre. Celui-là, je suis pas sûr de pouvoir l'éteindre. Ça y est. Rentre, saloperie. Ouais, bah je peux pas l'éteindre. Mais what the fils de pute! Putain, je tape en premier, c'est lui qui passe quoi. L'enfoiré. Attends, parce qu'il faut que... Ah non, le cocktail, j'avais déjà refabriqué. D'accord. Ta gueule! Ne me tourne pas le dos. Ouais. Alors niveau vie, je suis comme pas bien, pas bien du tout. Ok. Bah ouais, les alarmes, mais je peux pas la détruire la dernière alarme, donc. Ah voilà, on fait comment? Ah non, je peux pas. Non, ça marche pas. Voilà, on y est. Bon, de toute façon, je compte pas dormir ici, mais bon, je voulais les éteindre au moins. Je peux même pas. Ça fait chier. Hop, je récupère ça. Au moins le peu que je peux. Là, il y a un Maccabée. Ferraille quantité max. Bon, pour une fois. Alors, est-ce qu'il y a des trucs ici? Il y a une... Ouais, il y a... Ouais, bon, non, en fait, il y a rien. Au niveau soins, je suis pas bien, je crois. 3 sur 5, faudrait que j'en trouve. Bon, ça se trouve assez facilement dans le coffre des voitures. Faut juste que je trouve des voitures. Bon, par contre, je veux pas trop rester ici. Surtout pas de nuit. Parce que je sais que déjà, de 1, il y a beaucoup de mutants. Et il y a beaucoup de loups aussi dans cette zone. Donc je me barre tout de suite. Voilà, allez, roule PPA. Tiens, au niveau de la map, vu que je suis passé dans la zone brumeuse, ouais, ça a enlevé la zone brumeuse, c'est cool. Oh, scénario fin du monde. Checkpoint Nero du tunnel de Mario Fox. Marion, pardon. D'accord. Pourquoi celui-là, il considère comme un scénario fin du monde? Et en plus, il y a une amélioration de dispo. Pas mal. Je vais voir améliorer non seulement ma santé. Enfin non, la santé, je l'ai déjà amélioré plein de fois. Je vais améliorer l'endurance. Bah ouais, ou alors ouvre. Hey, comment va? Ça va, merci. Bon, alors. Elle a besoin d'une révision, elle a besoin d'essence surtout, voilà. Ensuite, la gamine à qui je dois donner la géode, elle est là-bas. J'espère que ça fait partie du camp. Ça me paraît un peu loin. Ouais, ça doit être la zone des dortoirs. Ouais, c'est ça. Ok, je sais pas où aller. Lisa. Ah bah elle est là. J'ai un truc pour toi. Oh, c'est beau. Tu m'emmènes avec toi.
Tu peux me ramener à Marion Fox? Non plus, parce que c'est là où il y a un nid. Je peux pas, désolé, c'est trop dangereux. Je dois aller me coucher. Ils nous font lever tôt pour travailler. Oh là, merde, je me suis pris les... J'ai mis un coup dans le micro, désolé. D'accord. Bon. Et là, ça m'emmène voir mon copain. J'aurais bien été là aussi, cela dit. Je veux jeter un œil, ça m'intrigue. Et du coup, sinon, il faut que j'aille voir... J'ai déjà arraché du chien dedans. Apprenez à cueillir de la lavande avec Sarah. Ah oui, c'est un flashback. Ok, pas tout de suite. Enfin, d'abord, faut que je dorme. Juste une petite sieste. Ok, c'est pourquoi il fait... Qu'est-ce qui se passe? T'as marché sur une épine? T'as marché sur un Lego? Ah, le soleil, c'est ça qu'on aime. Quand il fait jour. Je suis prêt à m'y remettre. Ok, allez, j'ai fait un gros dodo. Maintenant, je vais me barrer. Wouah, 9153, je suis riche. Du coup, je vais augmenter mes armes. Enfin, je vais augmenter, je vais acheter des armes. Comme ça, j'en aurai dans le casier. Ouais, c'est là, pile poil, ah, c'est là. Tombe bien. Ouais, ta gueule. Al-Kaï. Ouais. Oui. Alors. On va prendre déjà ce qu'on a pas. Ça va être plus simple. Alors déjà, tu devrais ça. Pas craindre grand chose avec ça. Ouais. Puissant, fiable, il devrait te plaire. Tu m'en diras des nouvelles. Voilà, j'achète tout. Maintenant, je vais comparer ce qui est intéressant pour moi. Je peux pas acheter ça? Non? Bon. Alors, quel intérêt? Le shorty. Porté. Il a autant de... Un shorty qu'un... Tu te fous de ma gueule? Chargeur 4. Ouais. Dégâts, oui, d'accord, mais... non, je préfère mon pistolet. Parce que j'aime bien les pistolets. Ensuite, c'est là qu'on rigole. Alors, j'avais ça. Et maintenant, je peux prendre ça. Ou ça. Ou ça. Niveau 3, je préfère prendre ça. Yes. Ensuite, arme spéciale, j'en ai pas racheté. Lui, accessoire, il veut pas inventaire plein. Ah non, ça coûte cher. Et je peux pas de toute façon. Donc ça. Grenade de lancer, je peux pas acheter non plus. Les armes, du coup, là c'est niveau 3, là c'est niveau 3, là c'est niveau 3, et là c'est niveau 3 également. Donc pour l'instant, je ne peux pas non plus. Je suis niveau 2. Enfin, niveau 2 de confiance. Bon, j'ai déjà amélioré. D'accord, ok, hop là, ouais, aucun job dispo, bon bah ça m'arrange parce que j'en ai marre d'être ici. Ensuite, la moto, elle est fraîche comme un gardon. Allez, c'est parti. Alors, il faut que je passe par là. Il va me faire passer dans le tunnel? Non, il ne fait pas passer dans le tunnel. Là, il y a un tunnel. Comme ça, après, je reviens ici et je fais Tucker. Boozer. Ils finissent tous par R. Donc, du coup, c'est pas compliqué, c'est pas facile. Alors. Avant d'aller plus loin, on s'arrête 2 secondes. Hop, petite sauvegarde auto. Petite sauvegarde. Ah putain, ça sauvegarde déjà. Attends, je veux faire ma sauvegarde à moi. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, elle était aux anges. Ça a un peu égayé sa journée. Son année, même. Ça m'étonne pas. Terminé. Tout ça pour ça? Bon. Alors, checkpoint du numéro du tunnel de Marion Fox. On va aller voir si on peut aller gratter une amélioration. Dick, c'est Copland. Copland. Oui, je t'entends. J'imagine que t'as du boulot pour moi. Ok, ça marche, je passerai voir. Terminé. Il a du boulot? Ah ouais. Il a du boulot, le Copland.
Oh. Eh ben non. On y a tous cru, mais non. La moto, ce serait quand même bien qu'elle aille un peu plus vite. Parce que bon, c'est l'allure de croisière, là. Hein. Ça avance pas tes mœurs. Mètres. Au niveau de la ferraille, je suis à fond. Donc ça sert à rien que j'ouvre les capots. Par contre, un coffre de voiture pour récupérer un bandage pour pouvoir utiliser celui que j'ai, c'est bien. Ça serait bien. Ah bah ça va arriver juste là. Alors, combien de pourcentage? 80, ça va. J'ai hâte d'améliorer la moto vraiment à fond, à fond, à fond. Comme ça, moi, je pourrais rouler sans me tracasser de l'essence tout le temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Bombe tuyau, mais je m'en fous. C'est pas ça que je voulais à la base. Ah putain, mais là, il est cassé, donc je peux pas. C'est complètement con, cette histoire de casser, pas casser. Au contraire, ça devrait être plus facile à ouvrir s'il est cassé. Bon. On avance. C'est ici que j'avais pété le nounours. Hop là. Allez, quelque chose de bien, quelque chose de bien. Un bandage. Putain. T'as, autant des fois j'ai vraiment de la chance, j'ai plein de trucs bien. Autant des fois je fais une série de merde et j'ai que de la merde. Regardez-moi ça. Tout le temps la même merde. Putain, la misère. Bidon d'essence. Oh, t'en avais bien besoin. Mais non, il n'avait pas tant besoin que ça. Ça doit le faire. Mais du coup, voilà, je passe devant, donc... Allez, c'est parti. Bon, toujours pas de bandage dans des coffres. Oula, oula, doucement. Ouh. Et là, ça passe ou pas? Yes, large. Putain. Ah, j'ai la poisse. Ah, j'ai la poisse. Alors, oh là, ouais, bah je crois que ça c'est mort en fait, hein, parce que si je dis pas de bêtises, ici, il y a une horde, parce que c'était ici que le Nero, il y avait eu, c'était pas ici qu'on avait suivi O'Brien. Bon, on va voir, de toute façon, on verra bien. Le voilà. Bon, l'avant-poste est là. Alors, avant de rentrer dedans, on va casser tous les haut-parleurs. Il est hors de question qu'on se retrouve avec une rameutée de zombies qui se pointe parce que voilà. Donc, et d'un. Et de deux. Et vous vous doutez bien qu'il n'y en a pas que deux. L'essence, je l'ai vu, est dans le camion. Oula, c'est sombre là-dedans. Regardez-moi ça. Il y en a un autre là de haut-parleur à la cour. Tout, vers le tunnel en plus, bien pour rameuter les zombies. Et je suis sûr qu'il y en a encore un là. Bingo. Tout pour rameuter les zombies. Voilà. Alors, ensuite. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite tente? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Toujours la même merde, hein. Bon, il y a un autre bidon d'essence. Donc je vais faire d'une pierre deux coups, moto et générateur. J'ai l'impression que, enfin, à chaque fois qu'il court avec le bidon, ça fait du bruit comme s'il y avait une horde de zombies à mon cul. C'est horrible. Sentiment d'insécurité à fond. Ça y est. Allez, dis-moi qu'il n'y a plus de générateur pour faire du bruit, là. Enfin, de haut-parleur. Et on a le feu vert. C'est bon signe, ça. Pas
courant, bien sûr. Quoi? Il y a le courant, là. Encore? Ah, je crois qu'il fallait que je répare, en fait, de l'autre côté, parce qu'il y avait de la fumée. Non, bah... Attends, il est rallié, il est raté... Attends... C'est ça. Ah, voilà. Panneau de fusibles du UEM. Vous pouvez trouver des fusibles en rechange pour les checkpoints du Nero. C'est chier. Les plombs sautés. Oh, mais où est-ce que je vais trouver un fusible, moi? Dans le tunnel. Pas par là. Ah non, même pas. Oh putain, il est parti, il a fait le tour de la... Je vais regarder ça de plus près. Attends, par là. Putain, je vois plus où il est. Merde. Ah merde. Ils se sont arrêtés où, les petons? Ah bah c'est peut-être là. Ok, voyons ce qu'on a ici. À trouver. Ah bah voilà. Bon ça va, c'était facile. Et en plus j'avais loupé des trucs. Donc j'ai bien fait de revenir en arrière. Bon, merde, putain, il est con en plus. Allez! Mais pourquoi tu... Mais... C'est pas possible. Faut peut-être que j'éteigne le générateur. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. Tu veux jeter un coup d'œil pour quoi, mec? A mon avis, il a pas trouvé ce qu'il cherchait. Hein. Il a dit trouver, mais... Merde, il a... De l'autre côté. Celui-là, il y a le Maccabé, d'accord. Il a trouvé un truc. Mais il veut que je cherche encore un truc. Je comprends pas. Bah, c'est bizarre. Non, la zone elle est toujours bleue. Donc il y a encore un truc à trouver. Non, là je suis sorti de la zone. Non, c'est de l'autre côté. Mais oui, je sais, ta gueule, j'explore. Il y a un truc à trouver. Peut-être qu'il fallait juste la clé. Ça peut pas s'ouvrir. Non. C'est pas par là. Mais pourtant il a trouvé ce qu'il voulait. Waouh, ça bug ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Bon, je vais réactiver le générateur et puis merde. Hein, je peux pas réparer parce que j'ai pas le... Ou alors je peux le fabriquer. Ah, déjà tiens, je peux réparer ça. Catégorie pièce, bah non, je peux pas. Non, ça veut vraiment que je suive les pas. Fermé. En plus, vu qu'il fait jour, bah il faut bien qu'il y ait des avantages à qu'il fasse jour. C'est que je vois pas bien les traces. Non, pas par ici. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, je suis désolé, mais le fusible, je l'ai, hein. Donc à un moment donné, arrête de me prendre pour un con. Là, tu me fais tourner en rond. Alors. Bon, écoute, je vais chercher partout, hein, si tu... Écoute. Pas 36 solutions. Là, il y a encore un truc. Technologie IPCA. Je pense que c'est... Voilà, prends ça. Et dans le tunnel, il y a des trucs. J'ai pas trop envie d'aller dans le tunnel. Hein. En plus, il y a du bruit en plus.
Non. Alors. Rétablissez le courant. Bah, c'est ce que j'aimerais bien faire, figure-toi. Ou alors, ce que je fais, c'est que je recharge la sauvegarde, parce que là, j'ai l'impression qu'il a bugué, hein, ce con. Alors, attends, charger. On va faire ça. Ok. Là, je suis plus... Ouais. La moto, elle a pas été machin. Ça a pas été réparé, donc ça vient d'arriver. J'ai plus de ferraille. Voilà, si, 8. Générateur. Bon, là, on est bon. Alors, on va recommencer. Je reprends le chiffon. Je reprends le stérilisant. Je reprends la ferraille. Et voilà. La ferraille. Et le bidon. Voilà. Ensuite, je mets de l'essence dans la moto. T'en avais bien besoin. Voilà. Ensuite, je mets de l'essence dans le générateur. Ça doit le faire. Voilà. Avant de l'allumer, parce que je suis pas né de la dernière pluie, je répète les enceintes. Une, deux, trois, et le numéro complémentaire, 4. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je redescends et j'analyse cette merde. Par où ? Mais où est-ce que je vais trouver un fusible, moi ? Alors, je suis les pas. Jusque-là, tout va bien. C'est ça. Et là, les pas s'arrêtent. Putain. Oh, le système de survie. Oh. De quel côté ? Là, je trouve le macabé. Et voilà. Et je récupère quelque chose. J'ai récupéré quelque chose. Oh, il y a encore des pas par là. Alors attends. Attends. Les pas là, ils viennent d'où? Ils sortent d'où? C'est à qui tout ça? C'est quoi ça? Fusible? Cool. Ah bah voilà, il était là le putain de fusible, sa mère. Ah ok, maintenant on peut remettre le fusible. On ferme la boîte. On active le bordel. Et on active le générateur. Et on va finir par y arriver. Et on a le feu vert, c'est bon. Et voilà. Et on peut rentrer. Voilà le travail. Lâchez-moi, putain. Lâchez-moi. Madame, vous devez retourner dans votre véhicule. Nous allons revenir vers ça. 12 heures qu'on est là. J'ai deux enfants malades à l'arrière. On veut juste... Notre injecteur de néant. Cool. Eddie, t'as une bouteille d'eau ? Donne-lui. Amélioration d'endurance. Merci. Ok. Ouh. Voilà. Super ce truc. C'est un cul-de-sac ce putain de tunnel. Oh la vache. Tous ces gens. Ça me rappelle ce que disait Boozer. Oh, tu parles d'une façon d'attendre le mort. Tassé, check. Raté. Dans ta gueule. Alors, on va pousser la voiture. J'ai encore jamais passé par ce tunnel donc. Donc faut que je pousse. Alors, je veux récupérer... Attends, j'ai réparé ? Non. Voilà, maintenant j'ai réparé. Donc... Non. Tu arrêtes d'ouvrir le menu avec le pavé tactile et tu récupères de la ferraille. Merci bien.
Voilà, et tu continues le tunnel, parce que de toute façon, c'est le chemin le plus court. Et à mon avis, je suis pas au bout de mes peines dans ce putain de tunnel. C'est pour ça que j'avance tranquille. En mode tapette. Il y a un truc bleu là à côté de moi bientôt. Il y a une moto. Je vais regarder ça de plus près. Pourquoi il y a une moto ? Ça va m'aider. On a quoi ? Je m'en sors bien. Voilà, dégage. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'on a ? T'es à moi maintenant. Et qu'est-ce qui se passe ? Ah, la ferraille. Bah oui, on attend. Hop ! Hop là ! Ok, voyons ce qu'on a ici. Ensuite, qu'est-ce que fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut aller par là. Ok. D'ailleurs, je vais pousser la voiture. Parce que quand je vais ramener la moto, je vais avoir besoin de passer. Voilà. Alors. Les traces de pas mènent par là. Ok. De la ferraille, merci. En arrière! Il est touché! C'est tout? Ah non! Ah! Je savais très bien qu'il allait y avoir encore des couilles dans ce tunnel à la con. Il y a toujours des couilles dans les tunnels. T'as de la chance, toi. Bon, vas-y, montre ta... Oh putain, il est là. Attends, tu veux pas te montrer, j'arrive. Voilà. Là, ça t'a calmé, n'est-ce pas? Hop, voilà. Très bien. Le chiffon, c'est pour moi. Ça, je répare. C'est toujours les mêmes choses, hein, au final. Hein. Et là, c'est la sortie du tunnel. Et voilà. La ferraille... Oh putain, c'est une voiture vraiment utile celle-là. Le coffre et le capot. Hop, un stérilisant. Le capot, là, il a l'air d'être cassé, donc non. Allez, hop, c'est parti. On va chercher la moto, on va rejoindre Boozer. Bah oui, forcément, fallait que ça tape. Ok, c'est bon. C'est quoi le logo plein de bruit là qui est devant moi? Il y a un truc qui fait plein de bruit devant moi là. Ah oui, c'est là où il y avait une horde. Ouais, non, il pleut des zombies là-bas, laisse tomber. Je reviendrai ici en mode discretos un jour, mais là pour l'instant c'est mort. Ah non, je sais pas si vous avez vu là-bas derrière le train à un moment donné, mais il pleut littéralement des zombies. Il pleut des mutants. Donc hors de question que je me retrouve coincé avec une horde de mutants au cul. Hors de question.
T'as Boozer, ce qui est chiant, c'est que... Enfin, Dick, c'est pareil. Mais leur camp, il est vraiment tout en haut, quoi. C'est, enfin, tout en haut de la colline, de la montagne, là. Vraiment chiant. Parce que du coup, à chaque fois, pour y aller, tu peux pas y aller en ligne droite. T'es obligé de tourner, t'es obligé de... Oula, la moto, elle a pris cher. Là, elle a pris cher. Réparation nécessaire. Attention. Réparation. Et même pas. Elle a même pas pris cher. C'est incroyable. Je croyais avoir touché. Bon, alors, l'essence. Boozer, lui, il a rangé sa moto. Voilà, ça c'est fait. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à récupérer dans le coin? Il y a toujours des trucs à récupérer normalement. Plus ou moins. Non. Bah, pas tant que ça en fait. Alors, ouais. Voilà. Voilà, c'est bon. Allez. On va aller voir Boozer. Il est en haut. J'ai déjà arraché du chien dedans. Alors. T'es resté un temps fou dans le No Man's Land. Salut, ouais. Je suis crevé. Des balles. Il va faire chaud aujourd'hui. Je m'en fous de savoir s'il va faire chaud. Hey, tu répondais pas à la radio. Ouais. J'ai pas acheté. Oh là, voilà, doucement. Je vais bien, je vais bien. Je voulais. Éclaircir les idées, tu vois. T'as de la fièvre. Putain, paye ta migraine. T'as de la fièvre. Non, 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 je suis fatigué. Ok, tu restes ici, tranquille. Moi, je vais réfléchir. Hey, j'ai pas besoin d'une nounou, putain, je vais bien. Oh, merde. Allez, réfléchis, mais réfléchis. Et c'est là l'utilité d'aller chercher des plantes. Là, il réfléchit, il pense à Sarah. Tu sais, Deacon, si jamais ça peut te servir... Moi, j'ai un remède de grand-mère avec de la plante. Viens par ici, je vais te montrer ce que tu cherches. Ouais. Trouvé. Oh. Allez, concentre-toi un T'inquiète, peu. T'inquiète, je suis concentré. Ok. Alors, celle-ci s'appelle Lavandula angustifolia. Lavande quoi? Ouais, mais vu que j'ai pas fini de rembourser mon prêt étudiant, personnellement, je préfère le latin, vois-tu? Moins t'en as pour ton argent, fais-toi plaisir. Ok, allez, donne-moi tes mains. Voilà, tu en poses une autour de la fleur. D'accord. Ensuite, tu places l'autre le long de la tige. Ok. Voilà, comme ça. Ensuite, faut tirer tout doucement. Ça va, j'ai déjà arraché du chien-dent. Eh ben, c'est pas du chien-dent. Tu dois faire preuve de délicatesse. Mais appliquer une pression. Oui, mais sans forcer. T'es prêt? Go. Et voilà le travail. Nickel. Ouais. Dis donc, elles sont pas vraiment la rose. Ok, garde celle-là. Moi, je vais aller en cueillir d'autres. Et donc, pourquoi la lavande? Les gens du labo sont dans tous leurs états. Ils pensent avoir trouvé une sous-espèce de monoterpénoïde mutant qui produisent un linalol modifié pouvant... Ah ouais, ah, c'est... Merci, Einstein. Merci, vraiment. Désolé. Elle contient une molécule qu'on peut utiliser pour synthétiser un médicament pour les grands brûlés. Oh bah justement, tiens, ça tombe bien. Tu sais, Boozer connaît un type qui a une ferme à genre 5 km d'ici. Oh, mais c'est super! Boozer va finir en prison et il te fera tomber avec lui. Et sinon, qu'est-ce que vous faites d'autre? Des armes chimiques, des armes de destruction massive? Non, 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 non. Enfin, pas moi en tout cas. Ah ouais? C'est dans mon contrat. Mes recherches peuvent en aucun cas être utilisées à des fins militaires. Pom 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 pom. Hé, regarde-moi ça. Ah, on est arrivé. Attends, oh, allez, c'est beau. L'eau doit être trop bonne. Non, non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, ça, tu peux continuer. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas nager.
C'est une longue histoire. Je sais pas nager. Ouais, ça fait rien. On peut marcher aussi. J'aime bien marcher. J'ai eu une prémonition. Dans le futur, je me fais courser par des zombies. J'ai voulu aller dans l'eau. J'ai coulé. Et si tu m'en disais un peu plus sur tes plantes? Sérieux? Ok. Eh bien, on dit que ce genre-là est non endémique. Tu le fais exprès, hein? Ça veut dire qu'elle n'est pas native de la région. Tu peux remercier Ogden. Qui ça? Mm-hmm. Merde, j'ai posé une question. Peter Skin Ogden, le premier explorateur à avoir traversé cette partie de l'Oregon. Lui et d'autres explorateurs ont apporté toutes leurs plantes médicinales avec eux. Certaines se sont propagées dans la région. La plupart poussent sur les rives des petits lacs et des étangs. Le premier explorateur blanc. Waouh! Tu te mets au politiquement correct? Faut pas croire les clichés sur les bikers. En vrai, on est très très fréquentables. J'en doute pas. On a deux frères de couleur au MC. L'un d'eux est membre à part entière. Je crois pas avoir vu une seule personne de couleur depuis que... je suis arrivée dans ce petit coin de paradis. Ouais, il se trouve que Jack a fait venir des gars de Sacramento exprès pour faire chier des rivaux skinheads. Non, tu me fais marcher. Ouais, je rigole. Alors, Jersey Jim est un vieux pote, c'est moi qui l'ai fait entrer au MC. On a servi dans la même unité. Faudrait que tu passes au club 1 de ces 4. Je te ferai visiter. Tu le trouveras sympa, il est super marrant. Il fait une margarita du tonnerre. Je commence tôt lundi au labo, donc... On sera dans ton lit pour 22 heures. C'est promis. Une proposition pareille, ça se refuse pas. Allez, à toi, essaie d'en cueillir une. De la lavande. Tu veux que je cueille de la lavande? Oui, et je veux 3 pieds de lavande. Et pas écrasés. Oh, je vais les écraser. Oh, allez. En voilà un. Bien joué. En voilà deux. Et la troisième qui est juste là. Voilà. Et voilà. Dernier. Voilà, madame. Amène-les-moi. Bon, elle me donne des ordres en plus. Tiens, madame. Oh. C'est pour toi. Waouh, on dirait que la galanterie n'a pas disparu à Ferwell. Ah. Mais si c'est le cas, je plaide non coupable. Hey. Oh, pauvre chérie. Hey, c'est celle qu'on va fumer tout à l'heure? Non, mais c'est celle qu'on va boire. Je sais faire une tisane du tonnerre avec ça. Sans déconner. Hey, ok, si tu viens chez moi, je t'en ferai une. Du moment que tu me déposes à la maison. Ok, super. Je vais te convertir, tu vas voir. Fais-moi penser à m'arrêter pour acheter de la bière en chemin. Il veut mélanger la bière avec la plante. Eh, hey, Boozer, j'ai une idée. Je viens de me souvenir que la lavande, c'est bon pour toi. Oh, 96%. Oh, 30%. Job d'histoire. Trouver de la lavande. Ah bah voilà, je m'en doutais. La lavande est par là. Bon, bah, nous irons chercher la lavande incessamment sous peu, un autre jour. Parce qu'il est l'heure d'arrêter. Cela fait 1h06. Un petit peu moins parce qu'il y aura du montage. Que je tourne. Donc du coup, on va s'arrêter ici. Donc eh bien, ainsi se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à bombarder la barre des pouces bleus. Mettez-moi aussi également en commentaire... ce que vous en avez pensé, notamment avec l'histoire des petits zombies qui m'ont tué pendant que j'avais le pied dans le piège. C'était pas mal. Et puis bah, moi je vous retrouve la prochaine fois lors d'une prochaine vidéo. Allez, tchuss tout le monde et portez-vous bien. Ah putain, je suis descendu. Oh putain. Putain de loup de merde. Ah. Ah, il va me bouffer. Alors là, non, non. Dégage. Ah putain, ils sont tous là. Oh, y a pas le choix.